Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo action. Oui, encore cette. Oui, ce magasin, quand j'y vais, je peux pas trop résister. Je vous l'ai déjà dit, et redit. Là, j'y suis allée il y a vraiment pas beaucoup de jours, donc je voulais vous montrer. J'ai pas fait des grosses folies, mais bon, j'ai trouvé quelques petites choses. Peut-être que ça va vous intéresser, je ne sais pas. En tout cas, je commence tout de suite. J'ai trouvé ces petites sucreries. Je vous rajouterai toujours les prix par ici parce que je les connais pas par cœur. Ces petites sucreries, trop mignonnes, je trouve que pour Noël, faire un petit cadeau, c'est super mignon, donc ça c'est un top top top. J'ai aussi trouvé en restant dans la sucrerie, cette jolie boîte qui est aussi superbe, avec des chocolats à l'intérieur de Noël, et voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa. Vous pouvez vraiment trouver des petites choses chez Action, à pas très très cher, ça je crois que ça coûtait dans les 2,50€. Ensuite, toujours sur le thème de Noël, j'ai trouvé ces petites bricoles, des sortes de petites accroches décoratives. Alors moi, je vais couper, je pense, les tiges pour les mettre dans des albums de scrap. Je vais voir ça, mais voilà. C'est des petites sortes de feuillages blanches pailletées. Elles sont très très jolies, ça ne coûtait pas grand-chose. J'ai trouvé des tags et des tags pour mettre dans mes swaps de Noël, hein, pour mettre un petit mot. Donc, il y en a des noirs avec écrit X Christmas, en fait. Just for you, et j'en ai acheté aussi des blancs, je crois, je ne sais plus où elles sont. Non, pas des blancs, des couleurs un peu marronnées, voilà, comme ceci. Et là, il n'y a pas, il y a juste des flocons de neige écrits dessus, enfin dessinés. Donc, et celle-ci écrit Merry Christmas. Donc voilà, j'en ai pris plein pour mes swaps. Et j'ai trouvé ça juste génial, j'ai trouvé une espèce de boîte avec 60 autocollants, étiquettes cadeaux autocollantes. Vous verrez, il y a plein d'exemples ici. Bah, je trouvais ça super sympa pour mettre sur les papiers cadeaux en fait et dire bah, pour qui, quand on fait des fêtes de Noël avec plein de monde, avec la famille, etc. C'est super mignon et ça coûtait vraiment pas grand chose. J'ai trouvé des sortes de petites choses comme ça, des petits tags de Noël. Alors moi je l'ai utilisé pour le scrap, mais je vais pas les accrocher sur mon sapin ou quoi que ce soit. Je l'ai juste utilisé dans mes pages de scrap, donc il y avait des étoiles, donc je me disais que ça pouvait pas forcément faire Noël, ça pouvait être utilisé pour plein d'autres choses. La petite botte du Père Noël, le petit ange, pardon, je cherchais le nom, et la petite cloche, donc on peut utiliser à Noël, on peut utiliser aussi à Pâques, hein, ça peut servir pour plein de choses. J'ai aussi trouvé pour faire mes mini-albums, pour les pages de présentation, des sortes de fleurs comme ça, assez épaisses. Mais voilà, j'ai trouvé sympa, toujours dans les tons blanches et pailletés argentés, donc j'ai trouvé très joli. J'espère que je vais me servir de tout ça, hein. Je ne sais pas si je vous aurai mis en ligne la vidéo, mais très prochainement, vous aurez un concours de cartes scrapbooking. Je vous proposerai de réaliser une carte ou un tag scrapbooking sur le thème que vous souhaitez, de me l'envoyer et vous aurez un gros lot à gagner. Donc, il y aura pas mal de choses de chez Action et puis j'aurai d'autres choses aussi de chez Emma, etc. Donc, je vous prépare tout ça. Restez en ligne pour les scrapeuses ou les scrapbookeuses, je ne sais jamais, les scrapeuses. Restez en ligne, vous aurez ça très très bientôt. En tout cas, j'ai aussi trouvé ce joli flocon de neige qui peut être décoratif. Mais moi aussi, je voulais peut-être l'utiliser sur une page de scrap. Je vais voir. Elle n'est pas très épaisse. Hein, enfin, il n'est pas très épais ce flocon. Mais vous pouvez l'accrocher aussi chez vous sur une porte. C'est super mignon. Il est très 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 beau. Ils sont vraiment pas mal bien faits. Et ils valent pas très cher. Toujours pour le scrap, j'ai racheté un rouleau double face, de scotch double face, qui est très pratique hein, chez Action, il est top. J'ai racheté chez Action des écritures comme ça, j'en avais déjà acheté plein dans mes autres hauls Action, parce que c'est hyper pratique pour faire des cartes, c'est hyper sympa, ça a un super rendu, ils sont top et ils coûtent 59 centimes, donc c'est pas cher. J'ai racheté justement pour mettre dans un de vos concours, dans le concours scrap, des petits stickers sur Noël. J'ai acheté pour mon petit frère une sorte de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, tiens, ce jeu. J'ai oublié le nom. Avec ma copine Sarah, donc on était dans le magasin Action ensemble. Donc Sarah, je te fais des bisous si tu passes par là. Et on a... Enfin, elle a failli craquer, mais elle n'a pas acheté. Moi, j'ai acheté pour mon petit frère des petits morceaux de bois. Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Bon, je vous remettrai là, non, si ça me revient. Mais voilà, ça coûtait 1,49€ et je me suis dit pour mon petit frère ça pouvait être cool pour l'occuper quand il vient à la maison, il pourra faire des petites constructions et tout et tout. J'ai acheté ensuite du papier, beaucoup de papier, dont pour vous aussi des papiers de Noël. Alors celle-ci est très sympa, je vous montre ici parce que vous voyez tout à ce niveau-là. Vous avez donc des papiers avec des étoiles, du papier vert avec des étoiles,
Enfin, c'est Noël et en même temps pas forcément Noël. Et ce qui est bien dans ces papiers-là, c'est que vous avez des papiers en relief et vous en avez d'autres qui ne sont pas en relief, qui sont voilà, tout simplement sans paillettes. Donc c'est vraiment utilisable pour plein de choses. Et moi j'aime beaucoup ce papier, donc je l'ai trouvé très sympa. Alors celui-là c'est vraiment un coup de cœur, il est noir, il est comme ceci, regardez. Il est noir et blanc et il est vraiment très très beau. Et pareil, il y en a avec relief et sans relief, c'est hyper sympa. Donc moi j'aime beaucoup 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 ce papier, donc j'en ai pris un pour moi et un pour vous. Et une autre petite bande de papier qui est celui-ci, donc... modèle en carton toujours, pareil, avec relief et sans relief, vous avez vraiment plein de types de des cupcakes, des étoiles, toujours des ballons. Donc ça peut servir pour les anniversaires, hein, pas forcément pour Noël, hein. Ça peut être pour faire des cartes d'anniversaire, etc. Et pour finir, j'ai acheté du papier tout simplement coloré, hein, des feuilles A4 toutes simples, fines, pas forcément cartonnées, pour imprimer dessus pour ma classe. Donc voilà pour mes achats Action, je n'ai pas fait, vous avez vu, trop de folie aujourd'hui, ça va, j'ai été raisonnable. Mais je vous prépare un petit concours Scrap qui arrive très très prochainement, donc restez connectés, je vous fais plein de bisous et à très très vite, ciao.